Patrick qui fait le reste. Ça revient, il la retouche, il se la remet. Et là, regardez, ciseaux. Mais ciseaux de face comme ça qu'il va trouver. C'est dans l'axe. Là, c'est l'amorti de Patrick qui fait le reste. Ça revient, il la retouche, il se la remet. Et là, regardez, ciseaux. Mais ciseaux de face comme ça qu'il va trouver. Maillot de Tours, quelques petites apparitions en Ligue 2 avec Tours, et Kimundo est également passé par l'équipe réserve de Lens. Ouais. Et, ce il y a une réorganisation hein, avec des changements de poste, puisque l'avant-centre est passé à gauche. Ndoye. Alors Ndoye est reparti à gauche là où il avait attaqué le match. Ouais. Encore que, ouais, on va voir. Ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, effectivement, du côté de Lens. Attention à ce que cette équipe. Ils sont 7 spectateurs présents à la Licorne. Ouais. Ils sont un petit peu crispés, tétanisés. Ouais, un petit peu congelés aussi, parce qu'il fait pas bien chaud hein, ce soir ici à la Licorne. Donc il n'y a pas de hors-jeu sur la passe côté droit de Luçon. À l'attaque avec Eman, le centre dans la surface de réparation. Dévié au passage par Vigneault et dégagé. En tête de cette rencontre, 0 à 0. Luçon qui veut la victoire avec Ndoye. Ndoye qui est ralenti par Seka, mais qui parvient quand même à donner le ballon à Kibundu, l'équipe de Luçon dans la moitié de terrain. Damien, Kibundu qui va frapper, ça passe à côté. C'est dévié, c'est dévié. Part de la frappe, heureusement. Toujours comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Dès 3 ans, on voit le petit bambin, le petit-fils avec le ballon. Si, mais c'était pas. Priorité quand tu étais jeune. Les études. C'est maman qui voulait. Ouais, l'école, et puis après, quand on est jeune, on pense plus à s'amuser qu'à autre chose. Alors, donc le foot est devenu sérieux à ouais, l'âge de 8 ans. À partir de 8 ans, ouais, je me suis décidé, je me suis dit que j'allais lancer dedans. Je serai footballeur. Quand ouais. Je serai grand, je serai footballeur. Parce que j'ai bien. Bonjour, c'est pas un scoop, on vit aujourd'hui une période de changement profond. Il y a des nouvelles attentes, tout le monde cherche des solutions personnelles. Signifie pour vous. Mais d'abord, une question plus importante. Comment reconnaître une authentique opportunité? Que rechercher avant d'investir de l'argent, du temps et des efforts? La plupart des experts vous diront de rechercher un produit qui est différencié, durable et présente un avantage.